Bonjour, je m'appelle Céline Monsara et je suis comédienne. Vous connaissez peut-être ma voix. Je l'ai beaucoup prêtée à de nombreux personnages de fiction. Et pour l'alchimie des mots, j'ai choisi Dory. Vous savez, le petit poisson bleu du monde de Nemo. Paracanthurus hepatus, ou chirurgien bleu. Bon, je ne vais pas vous demander des plaies Paracanthurus hepatus, non. L'expression à volo. Alors, ça s'écrit pas V-O-L-O. Ah bah non, ça serait trop simple, ça serait bête. Hein. Freezer de Dragon Ball, vous savez, la voix de Freezer, l'horrible Freezer, l'épouvantable Freezer. Eh bien, il est très très content que vous fassiez Épelle-moi 10 mots. Épelle-moi 10 mots qui est un concours très difficile. Et c'est moi qui pose les questions. Alors vous pensez bien que c'est moi qui choisis les verbes et les mots. C'est épouvantablement difficile. Ça veut dire pas de soucis, Hakuna Matata. Donc on est ici pour pas se faire de soucis. Et pour avoir l'orthographe la meilleure du monde. L'alchimie des mots, qui est une association qui œuvre sur les questions à la fois d'éducation, de promotion de l'éducation des jeunes, notamment en Val-de-Marne, une association qui agit concrètement pour la réussite éducative des jeunes Val-de-Marnais. Salsa ? Salsa ? Chasseur ? Double chasseur ? Oiseau ? C'est une aquarelle. A-Q-A-R-E-M-L-E. Le public a l'air d'accord ? Ouais, c'est bon. Voilà. Et bien c'est validé. C'est le premier point. Bravo. Voilà, comme les sporlots écrivent. C'est Ablo comme ça, le meurtre. Et bien bravo ! Ils ont gagné la vie, bravo ! Applaudir Boissy pour la deuxième place. Bravo Boissy, je repars avec un dictionnaire Larousse remis par Merci.
finale. Parce que dans le meilleur des cas, vous avez gagné une coupe d'un Scrabble. Et dans le pire des cas, vous avez appris plein de mots. Vous servez en compagnie. Donc voilà. Bah, il était stressant, mais c'était bien. Il faut savoir plusieurs mots. Enfin, on savait presque, on savait des mots, mais il y avait des mots où il fallait bien les apprendre. Et moi, c'est ma mamie qui m'a fait réviser et elle m'a très bien fait réviser. Donc, j'avais pas beaucoup de difficultés, mais donc du coup, ça va, c'était facile. Bravo d'être aussi téméraire de faire ce concours. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Donc je leur dis bravo et bonne chance pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Fousséni, appelle-moi engloutir. Engloutir, c'est E-N-G-L-O-U-T-I-R. Engloutir. Appelle-moi mangrove. Mangrove, c'est écrit M-A-N-G-R-O-V-E. Mangrove. Vous allez devoir écrire le mot fluide. C'est parti. Ok. Je remercie vivement le ministère de la Culture et l'association Alchimie des mots d'avoir mis en place cette action pour la valorisation de la langue française. Langue, son arabesque donne l'effort.